Dans le village de Saint-Léger, entre Arlon et Virton, en plein cœur d'une nature verdoyante, j'arrive au paintball de la Gaume. Ici, trois terrains outdoor sont aménagés avec énormément de passion pour créer des décors de fous. Et l'important, c'est surtout un bon encadrement. Chut, place au briefing. Hein ? Alors tu vas voir, rien à voir avec l'idée de guéguerre et tout ça. On va jouer sur la convivialité, on va jouer sur l'esprit d'équipe. Si tu n'as pas d'esprit d'équipe, alors là c'est la fin, c'est la descente aux enfers pour toi. Tu vas devoir communiquer important et c'est là-dessus qu'on joue. Donc un animateur va t'encadrer de A à Z, mais tu vas voir, je t'invite à aller t'équiper, déjà mettre ça et le masque. Et c'est parti! On est sur le terrain indien dans l'univers des Sioux. Mine, tipi, canon, chariot, rien dans le décor n'a été oublié. Et il en pense quoi, Géronimo? Putain, quelle partie! Ah, oh, vache! C'est vraiment fort, hein. Mais je pense que, comme d'habitude, les Bleus ont gagné. C'était, je pense que 2-1, un truc comme ça avec les drapeaux. Mais franchement, transpiré. On a, à un moment, les drapeaux étaient revenus dans le tipi. On les a ressortis. On s'est fait canarder quelques fois. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui se sont fait avoir, comme lui, par exemple. Entre les parties, il y a bien sûr l'aspect convivialité au rendez-vous. Oh, de la viande de bison, de buffle. Enfin bon, allez, on reprend des forces avant d'aller à l'assaut de l'époque des cow-boys sur le terrain western. Yeah-ha ! C'est décidé, je me fais une partie à la conquête de l'Ouest. J'ai un serpent dans ma botte. Il y a des shérifs, il y a des cow-boys, il y a des voleurs. Enfin, c'est un bon jeu, il y a de l'action, du plaisir, il y a les voleurs dans la banque et on doit essayer de les arrêter. On leur tire dessus, ils reculent, on avance, il y a un jeu, il y a de la stratégie, il faut essayer de les prendre à revers. Les prendre à revers, ou pas. Je m'amuse comme une petite folle. Bon, Adrien, je vous reviens, je suis allée à l'assaut de la banque.